C'est du rap indépendant, autoproduit. Alors merci de votre soutien. Une seule chose à dire. Franchement, merci à tous, gars. L'autoproduction, c'est long, c'est difficile. T'es pas à l'abri du nerf, gars. Je dois avancer dans mes textes, il me manque encore des morceaux. Là, j'en ai fini 4 ou 5, j'enregistre chez un poteau. J'ai écouté les mêmes intrus des milliers de fois comme un autiste. D'ici quelques jours, j'espère que j'aurai bouclé un nouveau titre. Mais je vais te dire, pour nous, le rap, c'est pas seulement écrire des rimes. Les démarches à entreprendre, ça peut mener à la déprime. J'ai quelques rendez-vous importants, courant de semaine prochaine. Après demain, normalement, je dois voir mon pote pour la pochette. J'ai presque toutes les musiques, faudra que je récupère les pistes. Si tout va bien d'ici 2 ou 3 mois, on commencera les mix. À côté de ça, je fais des t-shirts et des concerts. Je vais au taf pour faire mon beat. Ma préoccupation principale, c'est de veiller sur ma ville. Pour bien faire, il faudrait que j'engage des équipes. Pour que les médias en parlent, pour la paperasse, pour les clips. Pour gérer les réseaux sociaux, pour un maximum de clics. Pour l'affichage, pour les sticks. Pour envoyer le disque au radio. Pour décrocher la playlist, tu sais, il faut payer. C'est fou ça. J'abrège sur le sujet, vu que j'ai pas le budget pour faire tout ça. Ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas écrit une ligne. Il faut que je me dépêche d'organiser les features. J'ai plein de coups de fil à passer, j'aimerais bien trouver un petit deal avec une distrib correcte et sortir l'album en fini. Et aucun moyen de m'entendre avec une maison de 10. On n'a pas la même vision, on prend pas les mêmes risques. Ce qui intéresse les DA n'est pas le contenu. Ils signent le buzz du moment, ils signent un nombre de vues. Alors attends et sois patient, ça sortira quand j'aurai le temps. De moins en moins et c'est précieux depuis qu'on est devenus parents. On ne brille plus que dans vos yeux, aussi dans ceux de nos enfants. Les femmes vont plus rapper tout le temps, pour être sérieux de temps en temps. J'ai posé le poids de l'important, je ne ris plus en plaisantant. Pour que mon album soit écrit, je veux pas l'écrire n'importe comment. Rien ne sert d'aller trop vite, je me laisse au minimum 2 ans. Pour mettre le maximum dedans, y'a qu'un puriste qui peut me comprendre. Dès que je me prends la tête, que je vois que c'est le buzz qui les fait vendre. Je suis en train de taffer des maquettes, ce sera carré, tu vas l'entendre. Mais t'attends pas du freestyle, y'a que des thèmes qui nous ressemblent. Pour moi j'ai réussi, si ma musique elle nous rassemble. Et si ça remplit mon assiette, c'est que tout travail mérite salaire. Et si c'est long, duré, amer, c'est que tout bonheur mérite galère. J'ai un beat vide à régaler, pas le temps de pailler entre deux pailles. Je remplis le cahier, donc quand je rappe, je viens travailler. Indépendant ne veut pas dire pas vouloir être payé. Simplement s'appartenir, être son propre pilier. Vendre des CD par milliers n'est pas mon but premier. Je connais le truc et je sais que je peux être truqué. C'est la balade des indépendants. Merci à tous. Vous connaissez la phase du morceau ou quoi? Du concert pour toi.